Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et vous portez bien ainsi que toutes vos familles et que le confinement n'a pas été trop difficile pour vous et vos familles. Plusieurs d'entre vous me contactaient pour me dire qu'ils ont un problème de communication, c'est-à-dire ils ne peuvent pas parler avec les autres ou bien ils ne comprennent pas ce que les autres disent en français. Alors, ce que j'ai déjà dit, que la langue française est basée sur deux choses, la grammaire et la conjugaison. Et j'ai déjà expliqué quelques règles de grammaire et de conjugaison par une manière très facile et très simple avec la traduction en arabe bien sûr. Alors il y en a plusieurs personnes parmi vous, comme j'ai dit, qui ont un problème de la langue française, surtout les nouveaux arabes qui habitent en France. Je vais les aider pour passer ces difficultés, Inch'Allah. Alors, ce problème de blocage arrive surtout dans la vie quotidienne, chez l'épicerie, aux pâtisseries, au café, au travail, à l'hôpital, à l'hôtel, au cabinet médical, à la gare, à la banque, etc. Alors, aujourd'hui, on va voir un exemple d'un dialogue à l'épicerie, avec la traduction en arabe, bien sûr, et l'explication de quelques mots principaux dans le vocabulaire. Alors, on commence. Le client. Bonjour monsieur, je voudrais une bouteille de lait, un paquet de sucre, deux bouteilles d'eau plate et un morceau de fromage rouge, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je voudrais une bouteille de lait, un paquet de sucre, deux bouteilles d'eau plate et un morceau de fromage rouge, s'il vous plaît. C'est bon. مرحبا سيدي أريد قنينة حليب علبة سكر قنينتان من الماء وقطعة من الجبن الأحمر من فضلك L'épicier Voilà monsieur et avec ceci L'épicier Voilà monsieur et avec ceci البقال تفضل سيدي وماذا أيضا Le client Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Azabun. Et أعطني أيضا علبة صغيرة من القشدة الطرية و 12 بيضة. L'épicier. Voilà. Ce sera tout. Voilà. Ce sera tout. البقال. تفضل. هل هذا كل شيء؟ Le client. Oui, ce sera tout. Merci beaucoup. Combien l'addition? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup. Et combien l'addition? الزبون. نعم، هذا كل ما أريده. شكرا جزيلا. ما هو المجموع؟ L'épicier. 10 euros et 50 centimes. وهنا ينتهي الحوار. Alors, comme quantité indéfinie, on dit je voudrais أريد pour un nom masculin. إذا كان الاسم مذكر مفرد نقول du قبل الاسم du Par exemple, du fromage. Je voudrais du fromage. Ou bien, il me faut du fromage. Ou bien, il me faut du lait. Il me faut du lait. Alors, le lait, اسم مذكر مفرد. Le fromage, اسم مذكر مفرد. نستعمله du. Et pour un nom féminin, اسم مؤنث مفرد نستعمل de la قبل الاسم de la par exemple de la confiture مربى de la confiture il me faut de la confiture ou bien il me faut de la crème القشدة de la alors la crème et la confiture اسم مفرد مؤنث Et pour un nom pluriel, اسم جمع, on dit il me faut, par exemple, des biscuits. Des biscuits.
ou bien il me faut des épinards. Il me faut des épinards. Ça va venir. Well, and number, il a vocabulaire. Alors, comme produit de base, on a المواد الأساسية التي تحتاجون لمعرفتها باللغة الفرنسية. Exemple, le riz. Le riz, الأرز. Les pâtes, المعجنات. Le sucre, السكر. La farine, التحين. La confiture, المربى. Le miel, العسل. L'huile, l'huile, الزيت. Le vinaigre, الخل. Les conserves, المعلبات. La sauce tomate, salsa الطماطم. L'eau minérale, l'eau minérale, ماء معدني. Et pour les produits frais, المواد الطرية, par exemple, le fromage, الجبن. Le fromage, le lait, الحليب. Le beurre, الزبدة. Les yaourts, زبادي. La crème fraîche, القشدة الطرية. Les œufs, البيض, etc. وسنرى العديد من الحوارات في الفيديوهات القادمة إن شاء الله فيما يخص الحياة اليومية في كل مكان على حدة. Alors, mes amis, j'espère que vous avez appris plusieurs choses de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'abonner dans la chaîne et n'hésitez pas de laisser vos avis sur la commentaire. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.